Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur ces flashs d'information. Face à la crise multidimensionnelle qui a engendré la signature de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger en 2015, dont certains points exigent une révision de la Constitution, Mabendi Consulting a organisé le mardi 10 août 2021 un atelier de formation des membres du Conseil national de la transition sur les réformes politiques et institutionnelles. Au cours d'une cérémonie présidée par le gouverneur de Ségou le lundi dernier, le programme alimentaire PAM a fait une donation équivalente à la ration alimentaire mensuelle pour chaque famille suite à l'accident causé par un car de transport et un camion transportant des forains dans la commune de Zamboungou, près de Ségou, faisant plusieurs dizaines de victimes le 3 août dernier. Le jeune Ayem alias Pagaï, âgé d'une vingtaine d'années, très connu dans la vente des produits stupéfiants dans l'un des quartiers populaires de Bamako, est tombé dans la maille du commissariat du 3e arrondissement de Bamako le jeudi 22 juillet 2021 dans le cadre d'une nouvelle opération dénommée Founou Founou. Le lundi 9 août 2021, la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, MINUSMA, a organisé un atelier sur la présentation de son nouveau mandat et le renforcement du soutien au plan d'action du gouvernement. C'est tout pour aujourd'hui et merci de nous avoir suivis.